Salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Comment tu t'appelles, mon ami? Alors je me présente, je m'appelle Lucas. Chaudronnier de son chaudronnier. état. Et aujourd'hui, je viens porter ma petite automobile. On peut leur montrer à quoi ça ressemble? Ouais, s'ils sont sages. Voilà, la Supra. Félicitations. Non, je rigole. 370Z avec kit vénère en bas qu'on va enlever évidemment. Parle-nous un petit peu de ta voiture, elle est super belle déjà, je la kiffe. Tu sais que j'en ai une et franchement... Tu la regrettes? C'est pas que je la regrette, mais c'est, ouais, ça évoque des bons souvenirs, quoi. Donc, pourquoi t'as acheté ça? Ouais, c'est le style japonais, le petit coupé pour le drift, entre guillemets. Et pourquoi pas 350? Ouais, pour la nouvelle génération. Je sais pas, ouais. Le 3 litres 7 aussi, V6 Atmo, ça me plaisait bien. Ouais. Ça fait combien de chevaux ça? 328 en manuel d'origine. Et là, on a un échappement HKS, c'est ça? Ouais, échappement HKS. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les échappements, tiens, cadeau. Il y a un troisième feu stop qui est énervé. Tuning. On leur montre. Quentin, tu peux freiner, je t'en supplie, il faut que tu regardes. Tu le verras dans la vidéo, mais t'es pas prêt. Pareil, il y a un Decata, stage 1, donc petite reprogrammation à l'état neuf. Oh là là, aïe aïe aïe. Vas-y, fais plusieurs coups de frein. T'es trop lent, vas-y. Ça marche plus. Il faut que tu freines plus fort. Freine plus fort. C'est bon, là, on dirait qu'on est en pleine compétition. Là. Et donc, du coup, il y a quoi comme prépa? Tu m'as dit là-dessus, il n'y a rien? Il y a un stage 1 du coup. Ouais. Reprogram à l'éthanol, admission, décata, ligne complète. Très bien. Prochaine modif? Le type covering du coup. Yes. Donc, on va se faire un petit covering satin white. Tu as décidé de faire les jantes en cuivre. Ouais. Je trouve ça pas mal. Donc, à voir ça si on le fait ou pas. Ça, on va modifier, on va virer le wrap qui a été fait. Il a mal vieilli, je trouve. Il a été bizarre, d'ailleurs. Bizarrement posé. Et non, ce n'est pas nous, ok? Parce que je sens qu'on va nous lui dire, vas-y. Il a fait de belles bulles quand même. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est abusé. C'est too much. Le gicleur, il est énervé. Il a cru que c'était encore l'antenne. Il nous a enlevé ça. Donc ça, c'est pour mettre ton coyote. C'est la dashcam à l'arrière. C'est la dashcam à l'arrière. On pourrait en plus. Hein. Non, elle est énervée. Franchement, elle est très très belle. Tu nous montres comment c'est le réglage du volant et tout. Ouais. Parce que ça, les gens, ils le savent pas. On en parlait tout à l'heure. Allez, viens voir, Quentin, tu vas kiffer. Regarde, viens voir. Donc quand on veut régler, tout vient avec, tu vois, le compteur, tout suit. C'est comme la Mini? Non. Non, franchement, c'est beau. L'intérieur aussi est très joli. Elle fait un bruit de JDM. Ça fait un bruit à faire du drift. Non, l'intérieur, il est vraiment, vraiment énervé. Hein. On se croit dans un cockpit d'avion quand même. Hein. Avec les petits manos. Grave. Il y a un petit bouton, il sert à quoi là? Ça, c'est notre mode sport. C'est le mode sport? Ouais, quand tu rétrogrades les vitesses, ça fait le talon pointe. Quoi. Donc automatique. Ouais. Parfait. Allons voir le moteur. Donc en fait, là, nous sommes en train de nous faire une présentation. Il va la vendre. 80 000 euros. Ça va, on est bon? Ça va. Ça va changer. Ça, on va virer le tout. Il nous a mis des cônes énervés. Voilà, KN. Au cas où si t'es pas sûr, il y a marqué KN dessus. Ah non, mais c'est fou. Tu l'avais acheté comme ça, non? Ouais, il y avait déjà la condition. Oh là là, et c'est. On dirait la GTR. Sauf que la GTR, le truc, il était dans le pare-choc. Non, c'est pas mal. De turbo en plus. On peut mettre de turbo en plus. Hein. Ouais, il y a des kits compresseurs, il y a des kits turbo, tout préparé, tout fait pour cette bagnole-là. Parce que là, en fait,
En gros, ça c'est sur base de la GTR en fait, du moteur de la GTR. Oui, enlève-moi le tututut, il me rend ouf. C'est ça, hein, c'est sur base de la GTR. Ouais, ouais. Il manque juste les turbos. On va mettre les turbos et après on est bon. Non, franchement, c'est une bonne caisse. Elle a une bonne tête, j'aime bien. Ça me fait penser à Tokyo Drift, Need for Speed et tout, là. Quand tu la tunes. Tu l'as, cette voiture? Oui. Tu l'as dans ton jeu? Oui. Bon, bah, ok, on va partir là-dessus. On va la modifier et on va voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai hâte. On est parti? Allez, on est parti. Go. Allez, en route, travaillons. C'est parti. Voilà, dégueulasse. Eh ben, faut tout nettoyer. Hein. Ça, je peux te dire que c'est dégueulasse. Hein. Ah, ça pue, c'est beau. Où est la poubelle? Déjà, on a enlevé tout ça. C'est mieux. Ça va tout niquer mon pas. Ça y est, le véhicule est terminé. C'est fini. On a pris moins de temps que prévu. Ouais, pas beaucoup. On le remonte ? Allez. Allez. Oh là là, le wrap, franchement là, c'est mon meilleur wrap. Le film, il est insolent. Plus vrai que là-dessus. Oui, effectivement, on a changé, on l'a fait en gris finalement. Les moustaches du chat là. C'est un GTR persan. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais non, Zebby, c'est pas terminé. C'est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Oh, le chef d'atelier. Bonjour, 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 bonjour. C'est pas fini? C'est pas fini. Donc, le Sim, t'as mis combien de temps pour venir? 5 minutes. Voilà, c'est déjà trop. Allez, allez. Ouais, donc du coup, elle est en cours. Elle est bien comme ça, on a gagné du poids. Eh oui. Bon, on va faire la même avec la GTR. Parce que là, ces temps-ci, avec l'aileron, avec tout ça, ouais, il y a trop d'appui aérodynamique. Après, c'est pour le drift, je pense. C'est les petits circuits et tout. C'est bien. J'ai vu, frérot, comme quoi. Tout le monde a critiqué en disant oh, t'as vu, c'est pas le même, mais on peut leur expliquer pourquoi c'est rouge comme ça. C'est des sièges. Putain, mais les gens ils comprennent pas, frère. Moi je vais changer les autres rouges. C'est des rétro. On va faire les rétro. Ouais, tu me fais ça maintenant. Oui, pardon. Il y a rétro, on va faire les yeux noirs. Open test. Tout de suite. Arrête la merguez, ça va. Et les vraies voitures. Les voitures de bonhomme. Moi, je préfère quand même ce gris là. Ouais, c'est ma caisse. Tout ça. Ouais, le meilleur gris, celui-là. Après, je sais pas. Chacun ses goûts et ses couleurs. Ouais. Il y en a, ils aiment bien le blanc, ils aiment bien le rouge. Tiens, regarde. Là, juste comme ça, regarde. Tu vois là? Parce qu'avant, on avait des plaques noires, des plaques bleues. Ouais, mais bon. Merde. La préfecture de police m'a envoyé des lettres recommandées en me disant, soi-disant, que c'était moi le patron qui décidait si tout le monde mettait des plaques bleues ou des plaques noires. Alors ils m'ont mis des amendes, ils m'ont dit, mets des plaques bleues comme ça, ils vont dessus. Et résultat, tout le monde met des plaques noires quand même. Ouais, mais... C'est pas moi le patron. Ouais, papa. C'est papa le patron. C'est papa. Papa. J'ai niqué mes deux moustaches, tout le monde en plus. Ça, c'est avec la force du vent. Non, c'est le mur de chez moi. Là, je les ai niqués. De l'autre côté, il manque un bout. C'est normal. Ça, c'est la plus aérodynamique. Après, tu me connais, moi, l'esthétique, je m'en fous. C'est juste... La performance, frérot. La performance. Faut qu'on aille voir GL là, bientôt. Ouais, mais c'est bon, je l'ai vu hier. Ah, tu l'as vu? T'as changé tes pneus? Ouais, faut que je les lave. J'ai mis l'après-midi pour monter du rang de flotte.
Ah non, hey, les gars, moi le run flat, je déteste le monter. Quand t'as pas la machine, c'est la merde. Quand t'as la machine avec tous les trucs, ça passe, mais quand t'as pas la machine, c'est une grosse merde. C'était une galère, j'avais peur de déchirer le pneu. En plus, le pneu, c'est 1500 balles, frérot, le 4. La jante, c'est 4000 euros. C'est en promo. Et je me suis dit, soit je nique la jante, soit je nique le pneu. J'ai transpiré, j'ai mal au dos en plus. Putain, l'échappement, il est énervé. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il m'insulte, il fait t'as vu je suis aussi gros que le phare, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. C'est abusé. Il s'est calmé au niveau flamme du coup. Bah faut laisser. En fait t'as pris de l'avance. Non, c'est pour éviter de casser la boîte, tu vois. À chaque fois que je mettais le mode flamme, ça jouait sur la boîte. Et là vu que j'en fais moi, bah, la boîte est tient moins. Mais ça va. Mais est-ce que les gens ont besoin de voir les flammes encore sur cette voiture? On va lui faire une couleur. Eh les gars, on va lui faire une couleur. Non, t'inquiète pas, pas de rose. Je veux cette couleur. Comme ça. Je veux qu'elle ressorte comme ça. Admirez le téléphone de l'oncle Slim. Ouais, il est niqué. Pas de quelle couleur il est. Ouais, il est niqué. Voilà mon compte Instagram. SCS Godzilla. Voilà. Oh putain, ma femme, je t'ai dit. Oh merde. Niqué, frérot. Je vous ai dit. Et là, je veux cette couleur. Comme ça. Violet, vert, bleu. Ça fait. Frère, je veux que ça sorte la même. Je m'en fous. Même si la photo elle est trafiquée, je veux que ça sorte. Pareil. Trouve-moi une couleur comme ça. Frérot, moi j'ai trouvé la couleur. Hein. Là, on va à Intermarché, je mets du gasoil, t'inquiète pas, hein, c'est violet, c'est jaune, c'est tout ce que tu veux. Hein. Je te jure, c'est couleur. Couleur gasoil. Gasoil. Couleur gasoil. En fait, ce qu'il veut, c'est ça sur toute la carrosserie. Non. Oui, mais pas. Ouais, pas tu vois, en chrome. Parce qu'il y a du vert, gasoil. Alors, je. Ça pourrait sortir. Et je vais chercher la couleur. Mais je pense que cette couleur, tu peux. Je sais comment la faire. C'est prendre cette couleur en XPEL. Il y a un peu de gasoil dessus, tu vois. Tu m'as compris. Tu trouveras, frérot. T'es un professionnel. Dans le type du covering, frérot, t'es le seul en France. Merci. Attendez, je prends l'oseille. Bah, bon, allez, on va continuer à travailler. Je suis fatigué. Contrôle technique est OK. Allez. En fait, l'équilibre sur cette voiture, elle est tellement bien fait que quand tu soulèves un côté, ça soulève les deux en même temps. T'as vu? Toujours. Et toujours vérifier. C'est point de levage. Et même quand tu descends, faut toujours, donc je disais toujours vérifier les points de levage. La majeure partie des gens, en fait, quand ils lèvent et qu'ils remettent et qu'ils descendent les voitures, ils lèvent ça n'importe comment. Et c'est très important de bien viser. C'est pas tu te loupes, tu tues quelqu'un. Allez. Mais ça marche pas sur toutes les voitures, évidemment. C'est trop simple. Hein? C'est trop facile. Comme ça, tu ranges tout parce que Quentin lui range jamais rien. Bon, t'en penses quoi, Quentin? C'est très japonais. C'est une idée. Ouais. Donc, alors, jante bronze, couleur bronze. Nismo,
Pourquoi on les a fait de cette couleur? Parce qu'en fait, tu as les étriers, tu as les trucs, tout ce qui est Nismo et tout, c'est cette couleur-là. Je trouve que ça fait joli. On a fait un petit rappel de Z, tu vois. Ce petit Z qui est là, comme Zoro. Oh, un relou qui vient de passer. Il a une ligne complète HKS, comme il nous l'avait dit. Et je trouve que c'est joli. Donc, Quentin a pris la liberté avec le client de faire ça en noir. Il est chambronnier, donc il aime la matière. Il a laissé ça comme ça. Ce n'est pas une antenne, ce n'est pas un support GPS Coyote. C'est la BBC. C'est le Delete bras d'essuie-glace. On a pensé mettre le toit en noir et finalement, c'était pas si mal que ça de faire tout blanc à crayon. On a laissé les poignets comme ça. Voilà. Les coques en noir. Moi j'aime bien. Elle a son petit style. Et c'est la bouche en noir. Les jambes en fait, ça va avec les clignotants. Elle avait les phares noirs avant, mais on a enlevé le film. Je trouve que ça fait plus joli. À l'avant, on a fait la bouche un peu en noir. À l'avant, il a une gueule de Nismo en vrai. Ouais, très mignon. C'est Nismal. Nismo. Coque de rétro en noir. Il y a juste le centre de roue. Qu'est-ce que tu as fait tomber? Ah, d'accord, très bien. Il y a juste le centre de roue qu'on a hésité à le faire en. Ouais, mais ça choque pas. En alu ou en noir, et finalement. Mais ça choque pas. Avec les goûts jaunes. Hein? C'est vrai que les goujons, les poignets. Ouais, je réfléchis à vous. Là, on l'a laissé. Non, c'est pas trop mal. En fait, ça fait origine. Je voulais le tuer. Ça fait origine, mais ça fait propre. Ouais. Moi, j'aime bien. On va faire un petit tour pour la test, pour voir que tout est bon. Comme ça, le client, il sera content. On va faire les ronds-points en travers. Non, pas du tout. Tout droit, voilà. Désolé. Bonjour. Ce travail dur. Hein. Le pauvre, il attend. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Salut. Salut. C'est le bonjour. Tu es prêt? Ouais, j'espère. Ouais. Ouais, allez. C'est parti. Ça va? Salut, ça va? Oui. Putain, elle est magnifique. Allez bien. On perd de moutons. C'est ce que tu pensais? Encore mieux. Ah non, ça rend super bien. Ah, les jantes. Toi, on a fait le bon choix. Hein. Ouais. Parce que le Cupra, la couleur Cupra, ça aurait pas été, je pense. Ça aurait été trop clair. Ouais. Ça a l'air magnifique. Avec la bouche à la. Ah, vous avez fait la bouche. Ouais, on a fait en noir. J'ai eu un peu peur, mais en fait, il avait peur. Ouais, pour les jambes, j'avais un peu peur au début, mais ouais, c'était nickel. Ah bah, au final, tu as fait le petit Z aussi en couleur cuivre, et puis le diffuseur en or aussi. Vous avez fait l'intérieur du béquet en or? Ouais, en or, ouais. Ouais. Et les coques de rétro aussi. Et les coques de rétro en or aussi. Ouais. Ça faisait super beau aussi. Ça va, ça n'a pas été trop. Non, ça va. Ça va. Heureux? Prêt. Ça vaut le coup. Bah, très bien. Ça fait plaisir. Mmh. Oui, le professionnalisme toujours. J'arrive. Je suis juste en train de terminer ça. Faut impérativement, tu vois. Quand tu fais un truc, faut toujours terminer ta pièce. Elle a pris 10 000. J'arrive. Laissez-moi juste terminer ça. Je te filme quand même. Je sais très bien. Quand on termine quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Parce que là, en fait, tu vois, flemme de refaire tout le capot. C'est la merde.
Oui. Ah, mon doigt, il passe au temps. Tu vois, l'essentiel, c'est bien mettre ton doigt bien prononcé à l'intérieur. Après, tu fais ça. Tac, 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 tac. Moi, j'aime bien faire les PPF avec un gros carré. Avec quoi? Un gros carré. J'aime pas quand ils sont préfets, ils sont toujours trop courts. Je n'aime pas les trucs courts. Donc, alors, qu'en penses-tu? Finalement, tu vois, en fait, les centres de roues, au départ, ça me choquait, et quand je l'ai mis, en fait, ça va bien. Ça passe, ouais. Avec les écrous de roues en plus, ça fait. Ouais. Je t'avais dit, ça va bien avec les goujons. Et non, finalement, c'est pas si mal que ça, tu vois. Et le fait d'avoir enlevé le film, là, franchement, ça fait du bien. Ouais, ouais, c'est une espèce de cataracte. Tu as peut-être mieux la vue aussi. Tu voyais la différence? Ah bah, quand je l'ai eu, j'avais l'impression que la nuit, ça éclairait pas. Ouais. Ah, même la bouche en noir, c'était super. Bah, t'as une Nismo, là. Pareil. Ouais, t'as une Nismo, et donc, du coup, on a pris la liberté aussi de faire ça en noir, bien sûr, parce qu'il était un petit peu dégueulasse. Non, je pense que c'est le bon choix. Ça. Après, il y avait quoi d'autre que je voulais voir avec toi? Non, juste ça. Après, on a hésité à faire le Z aussi, mais après, ça faisait trop. Ça faisait trop. Ouais, ouais. Le but, c'est que tu gardes une voiture d'origine, c'est ça que tu voulais. Ouais. Le toit, on voulait le faire en noir aussi, mais finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit non. On va garder, la masse blanche comme ça. C'est rare que je change d'avis comme ça, mais c'est joli. Et oui, pour les gens, c'est pas trop mal, c'est bien. Merci. Quand elle était là, tous les jours. Alors les gens, alors les gens, t'as vu la couleur? Alors la couleur. Oui. Non, c'est bien, c'est cool. Avec ta petite, le petit Z, comme ça, on rappelle, je trouve que ça fait... Ça fait pas trop, c'est nickel. Ouais. Et on a repris aussi le diffuseur ici. Ouais. Non, mais c'était mieux comme ça. Magnifique. Je suis content, c'est bien. Mm-hmm. Et sinon, l'aileron, ça va, ça te va? Ouais, ça fait super bien avec l'intérieur en noir. Ça aussi, c'est une idée de Quentin. C'est eh bien. Eh oui. C'est mieux que d'avoir tout en noir. Tu l'enlèveras tout à l'heure. Non, mais en fait, c'est bien parce que là, elle fait d'origine, propre, sans. Avec une petite touche de personnalisation. Voilà, pas trop. Ouais. On n'est pas dans l'excès. Ouais. C'était pas ton truc. Et on a gardé ton petit machin. Ouais, okay. Mais j'avoue, il est joli. Hein. Ça choque pas trop, ça va. Ouais. Démarrage. Je sais pas. Ton copain, il se cache aussi. C'est pas moi, ça. Tiens.
Merci à vous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.